What's up les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une cinquième vidéo sur la chaîne M&A. Là, on part de Montpellier, direction Sitges, une petite ville en Espagne. On va vous vlogger un peu la route. Pendant que Anaïs conduit, moi, je regarde les Simpsons. Bon les gars, après 2 heures, on s'est arrêté sur une aire d'autoroute pour manger un peu. On s'est arrêté à Burger King, mais faut savoir un truc, l'an dernier il nous arrivait une dinguerie ici. On nous a volé toutes nos affaires. Ouais, on dormait, on s'est réveillé. Les gars, on va se taper un Burger King en Espagne. J'ai pas compris, tu nous filmes les nous. Vas-y, qu'est-ce que tu vas prendre? On vit qu'une fois les gars. Ouais, elle est un peu. Les gars, c'est un menteur, à chaque fois qu'on est ici, prend tout le temps la même chose. Ouais, mais c'est déjà cher, je prends pas de supplément. Bon les gars, on vous montre qu'on a nos menus. Il y a très... Stop recording me. Never. Faut être quelque chose d'autre. Suck my dick. Les gars, c'est du 75 centimes. Regardez comment elle est énorme. En fait, les boissons ici, elles sont un peu dopées. Je sais pas si vous vous rendez compte. Regardez. Bon les gars, là, on va reprendre la route. Et on se retrouve de toute façon en pleine circulation pour vous faire un unboxing de mon gros sandwich. Vu que je l'ai pas mangé, il était beaucoup trop balèze. Voilà. Les gars, on est arrivé. En fait, nous, on va là. Là. Là-bas. Moi, entrée. Nous sommes actuellement dans la chambre 600, au 6e étage. Alors voici notre entrée, pas mal. On peut simplement faire quelques pompes. Hop. Ici, voici à votre droite une salle de bain gigantesque avec une grande vasque, un grand espace, des brosses à dents, du shampoing, du conditionneur, un grand miroir sur lequel on peut... Tu t'es trompé. Body wash. Head wash. On peut s'admirer en toute légalité. Là, voici un bidet. Là, on peut faire son nettoyage intime ou même son nettoyage des pieds. Ensuite, les WC. Bon, rien de fou, on va pas vous montrer la cuvette des toilettes non plus. Là, voici une baignoire accompagnée d'une belle douche. Très cool. C'est pas mal. Là, on part sur quelques petits placards avec un coffre qu'on va pas utiliser parce qu'on a toujours pas trouvé d'or. Là, un double placard où nous est proposé des peignoirs payants qu'on va sûrement voler à la fin. Hein ? Là, le petit frigo qu'on ne va pas toucher parce que les prix sont exorbitants. Là, des petites boissons. Tu sais que ça c'est nouveau, il n'y avait pas, tu t'en rappelles? Ouais, je m'en rappelle. Des push-ups, ça c'est gratuit, hein, c'est cool. De l'eau à leur effigie, genre. Une superbe grande télé, je dirais même un superbe grand écran plasma. Un lit king size, hein, regardez. On peut être 4. Hein. Ah. T'es morte. On peut être 4. Ensuite, un simple bureau de travail.
sur lequel on va pouvoir travailler, on va pouvoir faire l'amour. Continuons. Un superbe canapé bleu, bleu qui nous rappelle un peu l'eau marin, etc. Donc c'est plutôt cool. Et là, on part sur le petit balconnet avec vue sur la piscine et le terrain de golf qui est juste là. Magnifique les gars. Préparer, on va se changer pour aller à la piscine, comme ça en même temps on va tout vlogger parce qu'elle est incroyable, elle mérite d'être vue. Du coup, transition dans les bains, tout simplement.